Bon, ben bonjour à tous. Venez-vous asseoir. Il y a encore de la place, hein. Il y a une place devant. Alain, il y a deux places même. Non, mais j'observe là. Mais non, mais. Non, mais c'est pas possible. Allez, allez. Moi, j'ai mes mains là. Voilà. Allez, il y a deux places. Monsieur, comment travaillez-vous? Comment je travaille? Oui. Ben, je vais expliquer ma technique. Je pars d'une toile vierge et je ne peins jamais sur une toile vierge. Dessus, j'applique un après acrylique qui me donne un certain relief. Après, je commence à composer la toile en commençant par les noirs qui forment la structure du tableau et son soubassement. Après, j'applique la couleur. La couleur, c'est toujours dans un souci d'économie de moyens, et c'est toujours des couleurs terre, où quelquefois je mêle du bleu outre-mer. Jamais, très rarement, le rouge et le vert. Mais ce que je voudrais dire aussi, j'applique le blanc. Donc, le blanc constitue la touche finale, et le blanc constitue ce qu'on appelle la partie vide du tableau par rapport au plein qui est marqué par les autres par le noir. Voilà. Alors, les blancs, c'est à la fin. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je travaille le ciel et la terre. Ah. Je travaille toujours par dualité, c'est-à-dire le noir et le blanc, l'ombre et la lumière, le vide et le plein, et le noir et le blanc. Donc, le vide et le plein, ils constituent l'élément fondamental de ma création. Parce qu'en Asie, on accorde beaucoup d'importance à la notion du vide et du plein. Voilà. Alors qu'en Occident, le vide est complètement absent. Depuis la peinture classique, on ne fait que saturer l'espace de la toile et il n'y a jamais de place pour le vide. Et on s'aperçoit qu'au XXe siècle, cet espace est complètement saturé avec des gens comme Jackson Pollock qui a inventé le all-over. All-over, ça veut dire entièrement recouvert de peinture. Voilà. Alors que la notion de vide en Asie, ça symbolise le ciel, l'air, et on peut trouver le vide dans le jardin zen japonais. Et François Chen a beaucoup écrit sur le vide et le plein d'une manière remarquable. Voilà, donc c'est très important cette notion de vide et de plein. Le noir et le blanc aussi, c'est très important pour moi, parce que le noir et le blanc, ça renvoie à la peinture traditionnelle chinoise. Dans la peinture traditionnelle chinoise, il y a une grande économie de moyens. Les peintres utilisent que le lavis ou l'encre de Chine noire et dans un souci d'épuration du tableau. Voilà, le vide et le plein. On peut dire que les peintres chinois ne copient pas la réalité, mais ils en donnent une interprétation quasi abstraite. C'est pour ça que beaucoup de peintres contemporains chinois s'inspirent de la peinture traditionnelle asiatique. Oui, alors je voulais te demander, Paul, dans le processus de l'acte de création. Chez toi, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de rite, comme un rite quotidien? C'est-à-dire pour toi, tu dis que par exemple, tu vas peindre tous les jours. Alors, je voulais savoir comment tu te situes là-dedans, c'est-à-dire comment dans ta vie quotidienne, quelle importance prend la peinture? L'acte de peindre. Mais c'est un travail quotidien parce que je peins tous les jours et je peins sur des tableaux déjà peints. Donc c'est un travail où je fais, je refais, je défais et c'est cette accumulation de peinture qui permet à un moment donné de trouver un équilibre dans le tableau. Et par exemple, il faut que je ressente une fulgurance du tableau. Quand je perçois ce surgissement de la forme, de la tableau, de la couleur, je suis dans un état de contemplation. Voilà, je contemple le tableau et je me dis, bon, il est bien comme ça et je l'arrête comme ça. Et voilà, et donc le besoin de peindre, c'est un besoin quotidien. Voilà. Et dans ta relation entre ta personne et le tableau, à un moment donné, tu disais qu'il y avait une espèce de corps à corps. Et par exemple, je pense à ça parce que aussi, tu peins, bon, comme tu dis, dans l'instant. Hein, je crois qu'il y a une espèce de ton tableau, c'est souvent dans l'instant. Et ensuite, je me suis dit aussi que quelquefois, je te voyais dans l'atelier assis,
et tu ne fais rien. Alors, est-ce que tu peux développer ça? Mais Picasso a dit, il faut beaucoup regarder la peinture. Et moi, je regarde beaucoup la peinture, je regarde mes tableaux. Et le tableau, en fait, il n'est pas fini dans la séance. Parce que quand on travaille dans la séance, il faut se méfier du premier état. Le premier état est toujours flatteur. Hein. Moi, je peux dire qu'on arrive très vite à quelque chose qui est satisfaisant. Quoi. Mais il faut pas se satisfaire. Il faut inlassablement travailler. Moi, je travaille jusqu'à l'éreintement. Hein. Il faut que je sois épuisé par la peinture. Il faut que je saisisse quelque chose qui va surgir de l'invisible et que je donne à regarder. Voilà. C'est ce surgissement de l'invisible qui pour moi, est extrêmement important. Mmh. Et alors, ensuite, il y a autre chose aussi qui peut questionner quand on voit ton travail. Tu parles quelquefois de paysage mental. Mmh. Et donc là, j'aimerais bien que tu développes ça. Dans mon travail, il s'inspire beaucoup du paysagisme abstrait. Bon, c'est un courant de peinture qui a été initié par Zhao Wuqi. Je pense même qu'il est l'inventeur hein, du paysagisme abstrait. Et je m'inspire beaucoup de Zhao Wuqi. Et le paysage mental, c'est un paysage que j'invente, qui est un paysage intérieur et qui est un paysage extrêmement subjectif. En fait, ce n'est pas une copie de la réalité, mais c'est une représentation imaginaire, quoi. Voilà. Et cette représentation du paysage abstrait est extrêmement importante parmi les peintres d'origine asiatique. Mmh. Et Zhao Wuqi, par exemple, a fait le lien entre sa culture asiatique et la culture occidentale. Et c'est comme moi, j'ai une double culture. La culture occidentale que j'ai acquise par ma vie en France, en faisant des études à l'école des Beaux-Arts, et puis mes origines asiatiques liées à ma naissance au Vietnam. Donc cette double culture, elle me donne cette approche à la fois dans la tradition de la peinture asiatique et dans la modernité de l'art contemporain. Voilà. Et alors après, il y a autre chose aussi, c'est dans ton travail, il y a une alternance, enfin, d'après ce que je peux en voir, moi, qui suis là tous les jours, il y a une alternance entre un travail qui est très matiériste et quelquefois un travail qui l'est moins. Alors, est-ce que dans ce processus de création, parce qu'en plus, à un certain moment, tu as aussi tu as eu une formation de beaux-arts classiques, bon, où tu as pris le dessin d'une manière classique, et ensuite une autre formation un peu plus tard où tu es l'école c'était l'école de Marseille Luminy qui était une des premières écoles de beaux-arts où on introduisait l'art contemporain et la remise en question de l'art classique. Et donc je voulais savoir si dans ton processus de création cet antagonisme entre le travail figuratif, l'abord de la peinture d'une manière classique, avec ensuite les influences plus contemporaines, tu évoques quelquefois ta pièce, voilà. Et donc ça, j'aimerais bien que tu dises un petit mot là-dessus, sur cette ambivalence. Ben moi, mon inscription dans l'art contemporain, elle se fait à travers le recours à la matière. Voilà. Parce que la matière, chez les artistes contemporains, elle est extrêmement importante. Comme tu l'as dit, depuis Anthony Tapies, depuis Ansel Kiefer, ce sont des peintres qui utilisent énormément la matière. Mm-hmm. Voilà. Et depuis, en fait, la matière, elle a été introduite dans la peinture par Jean Fautrier, à partir de l'art informel. Voilà. qui abandonne le travail de la forme au profit d'un travail purement hasardeux de la matière. Il cède aux aléas. Voilà. Et donc mon travail, il se situe dans ces courants de pratique. L'art informel, l'abstraction lyrique, le paysagisme abstrait. Voilà. Et, et, en,
Et en plus, tu es dans un processus de recherche permanente. Ton objectif, est-ce que c'est le tableau final ou est-ce que c'est le processus de création? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tableau en train de se faire. C'est dans le moment où je le fais que j'y trouve un intérêt. Parce qu'une fois qu'il est fait, il ne m'intéresse plus. Voilà. Je parlais tout à l'heure de ce surgissement et de cette fulgurance. Voilà. Une fois que la fulgurance est passée, on passe à autre chose. Hein. On reste pas là-dessus. Voilà. Bonjour, c'est moi qui suis Bonjour. impressionnée d'être à côté de vous. Je voulais savoir ce que vous apporte la peinture. Pour moi, la peinture, c'est une libération. Hein. Parce que j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie, j'ai beaucoup connu de traumatismes, et j'ai découvert la peinture, en particulier à travers l'art-thérapie, avec le service d'art-thérapie du docteur François Granier, qui m'a initié à la peinture. Et depuis, je peux dire que la peinture m'a sauvé la vie. Hein. Parce qu'avant ça, j'étais dans un état très difficile. Et depuis que je pratique la peinture, ça me permet de trouver un équilibre, de me libérer de mes angoisses. J'y trouve une plénitude dans la peinture. Et comme vous le voyez, ma peinture est essentiellement contemplative. Hein. Elle ne véhicule pas un drame personnel ou elle ne véhicule pas un pathos quelconque. Elle invite au regard, à l'émerveillement et au voyage. Et au niveau des utilisations des couleurs, est-ce que par exemple vous envisagez d'évoluer en utilisant d'autres couleurs et... Non, eh bien, moi j'utilise une palette très réduite qui se cantonne au noir et au blanc qui sont très importants et des peintures basées sur les terres. Terre d'ombre, terre de sienne, ocre jaune, ocre rouge et quelquefois du bleu outre-mer. Mais j'ai recours à cette palette très réduite pour une meilleure efficacité de mes moyens. Il y a beaucoup de peintres dans un tableau qui mettent toutes les couleurs. Moi, j'économise les moyens avec deux ou trois couleurs simplement. Quelquefois, vous pouvez le voir là dans la petite Oui. salle, il n'y a que du noir et du blanc. Parce que le noir et le blanc, ça me suffit pour évoquer quelque chose. Et là, je rejoins les peintres du paysage traditionnel chinois qui, eux, utilisent souvent que le noir et le blanc, le lavis et l'encre de Chine. Ça s'inscrit dans un processus d'épuration. Ma peinture, elle n'est pas du tout baroque. Hein. Voilà. Et l'utilisation du bleu, par exemple, sur cette, je crois que c'est cette toile. Vous commencez par quelle couleur, en fait? Tout à l'heure, vous l'avez expliqué, c'est... Je commence par le noir. Je commence par placer les noirs. Là, par exemple, pour cette toile, donc, vous avez commencé par le bleu. Il y a une partie de... Le noir vient recouvrir le bleu. Le noir vient recouvrir le bleu, oui. C'est-à-dire que je les reprends, les tableaux. Hein. Quand je les commence, et puis c'est un processus inlassable, quoi. C'est très long. Je peins, j'attends que ça sèche, je reviens dessus. C'est un long processus. Et quand vous dites que vous peignez tous les jours, c'est vous l'imposez ou Ah, j'en ai c'est... besoin. J'en ai besoin. Ah, intéressant. Je peux pas passer un jour sans peindre. Oui. Et je peins beaucoup sur des tableaux anciens, parce que je ne peux pas stocker les tableaux dans mon atelier. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de place, je repeins sur les tableaux. Ah, c'est vrai que vous créez une œuvre et après vous repeignez dessus. Voilà, je repeins par-dessus. Et ça donne beaucoup de matière. Et puis ce qui est très important, c'est quand on repeint dessus un tableau, il se produit le fait que la couche qui est en dessous, elle apparaît de temps en temps. Et ça c'est très intéressant. Ça s'appelle des époux. Dans la peinture classique, on appelle ça des époux, c'est-à-dire ce qui existe en dessous ressurgit dessus. Voilà. Et tout mon travail, c'est cette recherche de la matière, du recouvrement, de l'époux. Voilà. On a trois tableaux pour le prix d'un, par exemple. En plus. En plus que ça, bah oui. C'est intéressant, c'est très C'est très intéressant. intéressant, Oui. mais il faut les décaper d'abord pour pouvoir les voir. Vous fournissez pas le papier de verre, Papier de verre, oui. Et après, vous m'avez dit que donc c'est ça vous a permis, enfin vous avez fait de l'art-thérapie, mais vous avez quand même fait les beaux-arts, donc quelque part après. Non, j'ai fait les beaux-arts avant. D'accord. Je me suis intéressé au dessin et à la peinture très jeune. J'avais 16 ans
Et je suis allé à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Et après, je suis allé travailler à l'usine. Et après, j'ai repris les études de Beaux-Arts à l'école de Marseille, des Beaux-Arts de Marseille. Et là, j'ai rencontré des enseignants qui, à l'époque, étaient en plein dans la mouvance de ce qu'on appelle l'art contemporain. Voilà. C'était des gens comme Claude Viala, de Support Surface. Et André Malraux avait décidé de faire de l'école de Marseille une école pilote de l'art contemporain, où on expérimentait l'art contemporain. Donc c'est pour ça que je suis quand même très, très attaché aussi, quelque part, à l'art contemporain, malgré mes racines asiatiques, quoi. Il y a deux signatures sur vos tableaux. C'est parce que... Donc, celui du dessous et celui du... Et j'utilise beaucoup, pas que l'après acrylique pour faire de la matière. En ce moment, j'utilise le ciment colle qui sert à coller les carrelages. Donc, et vous l'utilisez comment alors, ben je l'applique avec une spatule et ça fait une couche très, très épaisse de matière qui me permet d'avoir du relief. Voilà, les tableaux actuels sont beaucoup plus épais que ça encore. Et ça fait penser à des gens comme Ansel Kiefer, lui est le roi de la matière. Hein. Ces tableaux, ils sont très lourds, ça fait très très épais, ils tombent en lambeaux quand il expose. Avant, j'utilisais la poudre de marbre, qui est un produit qui sert beaucoup aux peintres. Et les peintres utilisent beaucoup aussi le gel médium. Mais c'est des artifices que j'aime pas trop. Moi, je préfère des matières plus brutes que le gel médium. Et puis, c'est très cher, le gel médium. Les petits pots, ça coûte très cher. Anthony Tapies, il utilise la cendre et le sable aussi. Vous utilisez le sable. Et cette matière, c'est très lié, c'est fondamentalement lié aux peintres contemporains. Parce qu'ils sont en réaction contre la peinture classique. Vous avez Anthony Tapies, Ansel Kiefer, Alberto Burri, Miralles. Ce sont toutes les générations de peintres qui ont mis en avant l'épaisseur et la matière, jusqu'à un point où c'est très important. Hein. Par exemple, ta pièce, il colle un lit sur sa toile. Hein. Il met un lit, hein, il colle un lit. Hein. Et il y en a qui font des choses extraordinaires. Et vous dites que vous travaillez jusqu'à épuisement. Donc, quand vous terminez votre toile, vous avez quand même une certaine fierté par rapport à vous la contemplez. Vous avez dit que vous la contemplez. Vous avez travaillé jusqu'à épuisement. Donc il y a une certaine... Enfin, vous devez être fier aussi de votre résultat. Ah oui, 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 oui. Je suis dans un état de contemplation. Je suis très, très heureux du résultat. Mais ça ne dure pas longtemps. Parce que le tableau, quand je le fais, je le trouve très bien. Et puis deux jours plus tard, je l'ai oublié et je passe à autre chose. Hein. Et heureusement... Il y a des gens qui achètent les tableaux pour pouvoir les conserver. Et après, la toile, cette toile-là, oui. On voit qu'il y a des épaisseurs. Donc oui. Là, ce sont des juxtapositions de couches. Oui, et là, c'est un travail fait au couteau. Il y a de la peinture à l'huile. Et là, il y a du vert. Et là, il y a un peu de vert, oui. Légèrement du vert. Mais c'est une couleur que j'aime pas du tout. Le vert et le rouge. La couleur que j'aime beaucoup, c'est le bleu outre-mer. Je n'utilise que ce bleu. Bonjour. En fait, vous dites que vous utilisez rarement le rouge, voire, oui. Bon, quoi que là j'en vois, mais c'est vrai, rarement. Est-ce que c'est pour des raisons révolutionnaires par rapport à vos origines asiatiques? Non. Et quand même, le rouge, c'est une couleur que l'on retrouve beaucoup en Asie. Tout dans à fait, les vêtements, oui. Le symbole du drapeau, est-ce que c'est lié à une forme de résistance? Non, non. Alors, c'est peut-être inconscient. Hein. Peut-être, oui. c'est pas une résistance consciente par rapport à mes origines, ni même une contestation de la tauromachie. Ah, bon, moi, je n'ai pas du tout branché taureau, mais... Non, j'ai... C'est une affinité avec les couleurs terre, quoi. D'accord. Voilà. Et les couleurs terre sont beaucoup usitées chez les artistes contemporains. Anthony Tapies, il utilise beaucoup, beaucoup l'ocre jaune, Ansel Kiefer aussi, beaucoup les terres, beaucoup, beaucoup, oui. Oui.
Et vous n'avez jamais essayé de peindre des femmes bon, asiatiques ou des portraits vu vos, parce qu'il y a beaucoup de peintures laquées aussi oui. dans vos origines, oui, hein, oui. dans vos pays. Oui. Et ça, jamais vous avez été tenté d'essayer. Si, je l'ai fait, oui. Ah, au début alors. Oui, au début, oui. J'ai une période où je peignais figuratif. Ah, oui. Vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait. Donc, à un moment donné, vous avez pris la décision de dire c'est l'abstrait qui me plaît. Voilà, c'est ça. D'accord. Je suis vraiment dans la mouvance de peintres comme Zhao Wuqi ou les jeunes peintres chinois contemporains comme Wang Yancheng, qui eux, j'ai les mêmes racines qu'eux. Hein, c'est l'Asie, l'art contemporain, l'abstraction lyrique. Parce qu'en fait, le paysagisme abstrait, c'est la réunion entre le paysage, la peinture de paysage traditionnelle chinoise et l'abstraction lyrique. C'est Zhao Wuqi qui a quasiment inventé ça. Et depuis, beaucoup de jeunes peintres asiatiques se sont engouffrés là-dedans et peignent comme ça. D'accord. Okay. Vous verrez, si vous avez l'occasion, vous allez voir Wang Yancheng. C'est un artiste français très connu, franco-chinois très connu, et qui peint comme ça. C'était surtout ma question par rapport au rouge. Rouge, oui. Parce que le rouge, ça représente aussi le sang, la vie. Il y a un côté chaleureux aussi qui peut être ressenti dans cette couleur-là. Mais on m'a reproché d'utiliser le rouge. Ah bon? Ah oui, j'ai utilisé beaucoup de fois le rouge. Et les gens, ils disent qu'ils n'aiment pas les tableaux avec du rouge. Ah, bon. Ça les choque. Ok. Oui. D'accord. Merci. Merci. Bon, alors, connaissant ton parcours, tu étais figuratif. Oui. Comment tu as fait la transition de passer à l'abstrait lyrique? J'ai tout fait. J'ai fait des figuratifs, j'ai fait des nus, j'ai fait des marines, des sous-bois, j'ai fait toutes sortes de choses. Mais je suis toujours revenu au paysage. Et j'avais fait une exposition à la Galerie de Confort des Étranges, où j'ai exposé que du paysage, il y a de cela 5 ans, et de fil en aiguille, ça m'a amené au paysagisme abstrait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai retrouvé mes racines. Voilà. Parce qu'avant, je n'avais pas conscience de mon identité asiatique. Et c'est en découvrant le travail de Zhao Wuqi, que j'ai retrouvé mes origines. Tes origines, voilà. Donc, c'était le premier travail que tu as fait, tout à fait, qui était fait sur du papier, pas sur des toiles. Et c'était excessivement intéressant déjà à cette époque. Et c'était à quelle période à peu près? C'était en 90, par là. 90, quand tu as exposé à la galerie Artina. Voilà, et après, chez toi, j'en ai mis des tableaux abstraits, paysagistes. Alors, il y a eu tout un processus, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'une espèce de processus de recherche permanente, parce qu'il y a, à un moment donné, un abandon. Oui, oui. Il y a un abandon. Ensuite, donc, on cherche... parce qu'il y a toujours... Il y a cette dualité tout le exactement. Temps entre fait sa formation, qui est une formation à la base classique et ensuite le reste. Mais et finalement, même, bon, moi j'ai fait l'école des beaux-arts de Toulouse, où on a appris un travail classique, mais en même temps aussi, où on avait des gens comme Denax, comme professeur, et qui était un peintre abstrait. Et donc, chez nous aussi, il y avait toujours cette dualité entre ceux qui étaient purement classiques, qui était du domaine de la composition, du trait, etc. Bon. Et ce travail de recherche pure, où la finalité n'est pas l'objet en soi, le tableau en soi, mais le processus de création. De création, oui, voilà. Tout à fait. Ta personnalité qui rentre, quand tu parles de tes origines, qui rentre dans le tableau finalement. Mais, ta spiritualité voilà, aussi, spiritualité, parce que voilà. Beaucoup de spiritualité aussi. Oui. Hein. Quand on est peintre, quand on est créateur, bon, à un moment donné, on se pose toujours la question des origines. Oui. Voilà, des origines du processus créatif. Et à un moment donné, on se dit, bon, moi je fais de l'abstraction, mais finalement, est-ce que c'est valable ce que je fais? Voilà. Alors,
on se dit, bon, on va se rassurer, on va se dire, tiens, ouais, mais je sais quand même, je sais faire un nu, je sais faire, tu vois, derrière, et donc, à un moment donné, bon, on revient à ça, mais après, on l'abandonne, parce que ça ne fait partie que du processus de recherche, d'identification, en fait. Mais je pense qu'en fait, la peinture de Paul, c'est réellement aller à l'essentiel, on efface tout le reste et on va à l'essentiel, il ne reste que ça, en fait. Et en fait, quand il parle de travail figuratif, bon, c'est vrai qu'il a fait des travaux figuratifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est quel que soit le travail qu'il a pu faire, que ce soit sur du papier, que ce soit... Il y a toujours son identité qui apparaît. C'est-à-dire, on sait tout de suite que c'est le rabot qu'il a fait, et que c'est pas... Même si c'est un sous-bois. Il a une écriture personnelle. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est intéressant. Je pense que ma rencontre ici avec Sylvie et la Galerie 21, elle n'est pas fortuite. Parce que quand j'ai rencontré Sylvie, elle voulait que sa galerie expose de l'abstrait lyrique. Mm-hmm. Et vraiment, je me suis inscrit dans la ligne artistique de la galerie. De la galerie. Voilà, mm-hmm. D'une manière tout à fait naturelle. Mm-hmm. Voilà. C'est la corne qui revient vers ici. Oui, tout à fait. Et l'autre qui s'en va. Et tant mieux qu'il en existe comme ça. Merci beaucoup, Paul. Merci, Evelyne. Bonjour. Donc, enchantée de vous rencontrer. Enchantée. Je viens juste de découvrir votre exposition et de ce que j'ai entendu. C'est vrai que je retrouve des similitudes entre le processus de création pour des peintres et des musiciens, puisque c'est vrai que vous disiez que quand l'œuvre est achevée, vous passez tout de suite à autre chose. Mm. Et là, ça me parle parce qu'on peut faire le rapprochement avec la musique, parce que pareil, nous, quand une œuvre et on arrive à son terme, au niveau de l'interprétation, on a besoin aussi de passer à autre chose. Mm. Mais après, nous, on peut y revenir en fait. On peut changer l'interprétation, mais ça peut intervenir, je sais pas moi, par exemple, 6 mois après ou 1 an après. Mm. Et est-ce que ça vous arrive, vous, par exemple, vous avez une œuvre, elle arrive à son terme? Est-ce que vous pouvez la reprendre, la changer, en fait? Non, en fait... Ou vous passez carrément à autre chose? Non, je passe pas vraiment carrément à autre chose. En fait, il y a toujours une ligne conductrice qui fait que mes tableaux s'inscrivent dans un processus qui se prolonge de tableau en tableau. Ah, ça, d'accord. Oui, oui. Je passe pas, par exemple, de l'abstrait au figuratif. Hein. Oui, oui, oui. Je reste... Là, c'est l'abstraction paysagiste abstrait, l'abstraction lyrique. Je reste dans cette idée de l'abstraction lyrique, quand même. Bien que je change, bien que je paye un autre tableau, ça reste dans cette mouvance de l'abstraction lyrique. D'accord. Mais après, au niveau du processus de création, ça peut prendre combien de temps pour une toile? Comment ça se passe? C'est variable. Une toile, quand je travaille dans la séance, souvent, elle est très bien. Oui. Dès la première séance, déjà, c'est très bien, on est content. Mais je laisse jamais comme ça. Parce qu'il me faut de l'épaisseur. Il faut que la peinture ait du vécu. Mm-hmm. Il faut qu'elle soit ressassée. Donc, le lendemain, je reviens, je la retouche quelques fois. Et souvent... On peut travailler avec du repenti, c'est-à-dire quand on revient sur une peinture, on se dit « mince, j'ai loupé le passage précédent, l'état précédent, donc j'ai tout foutu en l'air ». Mais même en continuant à travailler, on arrive toujours quand même à quelque chose qui s'améliore, voilà, d'état en état. D'accord. J'ai vraiment envie de te poser une question, c'est dans quel état tu es quand tu es face à ta toile, qu'elle est vide? Est-ce que toi-même, à ce moment-là, tu es vide, de la même manière que cette toile que tu regardes, ou tu la vois déjà pleine et tu exprimes exactement tout ce que tu avais en toi? Ta toile est vide, toi tu es plein, et tu vas remplir un vide, comme le yin et le yang. Voilà, c'est ça, toujours, oui, le yin et le yang, oui. Voilà, les dualités. Toujours cette dualité. Ouais. Comment ça se passe, cet instant où tu regardes le vide? Mais en fait, moi, j'ai pas peur du vide. Quand je vois le tableau blanc, j'en ai pas peur. Parce que j'ai une technique quand même maintenant pour travailler. Comme je l'ai dit, je commence par brosser les noirs, je mets la couleur, je fais les blancs, j'attends que ça sèche. Et au fur et à mesure du processus, le processus s'élabore, quoi. Et puis à un moment, le tableau est évident. Le tableau, il s'impose à moi.
C'est pas moi qui m'impose ce tableau, ce tableau, il s'impose à moi. C'est vraiment fini, quoi. Là, l'état est satisfaisant, on n'y touche plus, voilà. Mais ça, c'est un très long processus, hein. Ça peut durer des semaines, hein. C'est plusieurs semaines après que je trouve cet état d'émerveillement devant le tableau. Aucune idée préconçue, non. Mais j'ai une technique quand même, hein. J'ai de la technique, hein. Je ne fais pas n'importe quoi au départ. Voilà, je veux dire, c'est vraiment ce processus, c'est-à-dire que tu travailles ton tableau, tu as déjà toute une technique d'approche pour voilà, la toile blanche, on va dire, et tout d'un coup, ça se révèle. Et ce moment où ça se révèle, qu'est-ce qui se passe en toi? Je veux dire, c'est au moment où tu es assis, parce que je suppose que tu en fais plusieurs, Je fais plusieurs à la fois. Ouais. D'accord. Mais moi, je pense que ce qui s'impose à moi, c'est le beau, c'est la beauté. Voilà. Quand le tableau est beau, moi, je dis que le beau est transcendant. Le beau est transcendant, il élève l'esprit au-dessus de ma propre condition. Donc, cette transcendance-là, elle doit être dans le tableau. Elle est spirituelle. Et tu la ressens? Ah oui, je la ressens complètement. D'un coup. Même dès que je fais une trace, je m'assieds sur le fauteuil, je le regarde, je dis, oh là là, mais ça c'est vraiment, c'est excellent. Et voilà, j'arrête là. Quoi. Mais au terme d'un long processus. C'est comme en musique, on doit certainement ressentir cet état de ravissement et de transcendance. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de parler de quelque chose où tu m'avais confié à un moment, toi, qui est dans sa vie un peu privée, un passage qui a été douloureux pour toi parce qu'il avait exposé et il a tout détruit. Et je regrette beaucoup ces tableaux, hein, parce qu'ils étaient vraiment bien. Hein. Je regrette. Et alors, ils étaient magnifiques, ces tableaux. Alors, je les avais mis dans une poubelle. Oui. J'avais sorti la poubelle sur le trottoir. Et les gens se sont arrêtés pour récupérer des morceaux pour l'exposer chez eux. Oui. Mais ça, c'était une époque difficile. Vous n'avez pas encore retrouvé une stabilité. Il n'y a pas besoin de les regretter, quand même. Mais j'ai les maîtres qui m'accompagnent. Avec toi? Eh oui. Ouais. Tu les as autour de toi. Je les ai autour de moi, oui. C'est ma famille intellectuelle. Ouais. Non, je vois que je ne suis pas seul. Hein. Tu n'es pas seul. Ah, je ne suis pas seul. Quand je vois Wang Yancheng, le parcours qu'il a, ce qu'il fait, vraiment, ça m'enthousiasme, quoi. Ah oui. À tous les instants, ils sont là. À tous les instants, Zawuki, tout le temps. Bah, écoute, franchement, merci. Pas une question. Ah bah si. Non, c'est simplement une constatation. C'est plus qu'une constatation. C'est quelque chose de très fort. Je voudrais remercier Paul pour tout ce qu'il a fait depuis. Bon, ça fait un petit moment que je le connais. Que même s'il ne le sait pas, je suis son travail. Et je le remercie pour toutes les rencontres qu'on a pu avoir et pour toute l'influence qu'il a pu avoir sur mon travail, sans même que je ne fais pas exprès. Mais voilà, tout ce qu'il a dit ce matin, j'adhère complètement et je suis très émue chaque fois que je le rencontre. Voilà. Merci. Merci à toi. Hein. Oui, parce que je pense qu'il y a quelques membres là de l'art en mouvement de oui, Palma qui aiment bien en fait ton travail et qui te suivent. Merci d'être là, d'avoir été nombreux ce matin. Un immense merci à toi. Eh bien, merci Paul. À toi, merci parce à vous. Parce que vraiment, regardez, c'est pas pour pousser les gens à acheter des tableaux, mais franchement, c'est important. Je crois que quand on aime l'art, que ce soit artiste soi-même ou passionné, je pense que pour un artiste, c'est très très important de pouvoir vendre, pas tant au niveau monétaire, mais vraiment parce que c'est l'aimer. Acheter veut dire je t'aime. C'est important, c'est important. C'est vrai que c'est un prix, un coût, mais pour l'artiste, c'est, je pense, voilà, c'est un métier, c'est un métier passion, mais c'est avant tout aussi leur métier, quoi. Voilà. En tout cas, merci Paul. Merci à vous tous. Merci. Merci à tous.